Yo, salut la division, c'est Fossoyeur. Comment ça va? Ça fait un petit bout de temps que j'ai pas fait de vidéo, donc j'avais pas vraiment d'idée, tout ça. Et j'ai vu que pas mal de gens ont des jouets régènes, plutôt des trucs tanky. Et j'ai vu aussi quelques parties avec des nouveaux qui arrivent sur le jeu. Il y en a pas mal, vraiment pas mal, qui se tenter des raids et tout, et je leur ai fait un petit tank qui est plutôt au poil pour le raid. Donc je vais commencer plutôt par vous faire voir le build que j'ai acheté, que j'ai appelé le build Titan, parce que c'est monstrueux, hein. Il a jusqu'à 3 millions 9 de PV avant de tomber, donc c'est quand même beaucoup, 3 millions 9. Donc je vais vous faire voir ça tout de suite, un peu les stats que ça donne. Voilà, c'est ce tank-là. Donc on peut voir hein, 2 millions 6 d'armure, 1 million 3 de santé, donc on est à du 3 millions 9 quoi, c'est quand même beaucoup. Soit il n'a pas de régène, je vais l'orienter sur la santé et le headshot pour les dégâts d'headshot du Régulus. Bon, je vais jouer aussi beaucoup en forceur. Alors cette arme, il y en a plusieurs qui me disent « Ouais, tu l'as eu où ?» et tout. Bon, c'était un truc qu'il fallait précommander, machin, bidule, tu l'avais en cadeau. Et après, on n'a pas eu d'autre occasion de pouvoir le rechoper. Donc il y en a qui l'ont, il y en a qui l'ont pas et qui l'auront jamais. Donc après, vous pouvez jouer autre chose, hein, Super 90, que vous voulez, M870. Mais moi, j'aime bien le forceur, c'est mortellement parfait, il est vraiment bien. Voilà le Régulus. Voilà, on va être sur du 170 de dégâts de headshot. C'est pas mal. Hein. C'est pas mal. Moi, je l'ai joué un petit peu dans un des aides. Alors, soit en face, ils sont full régène, mais il peut faire le taf. Hein, un contre un contre un régène, tu laisses quinte hein, quand même. Parce que lui, il faut qu'il se cache pour régène. Toi, tu as toujours 1,5 million d'armure. Hein. Donc, tu le rush, pam, pam, pam. Le Régulus, il rigole pas. L'enforceur, il rigole pas. Hein. Donc j'ai voulu expertiser mes paquetages jusqu'à 25 toutes mes pièces pour que vous puissiez voir le potentiel total du paquetage, parce que faire un paquetage juste en mètres et puis ouais, on ne sait pas ce que ça donne quand c'est à 25, donc j'ai tout mis à 25, hein, complètement tout. Comme ça, vraiment, vous voyez les 2 millions 6 réels, les 1 million 3 réels, les 507 du Régulus avec les 170 de headshot. Donc on peut s'amuser un petit peu en DZ et tout. C'est plutôt pas mal. Ça peut rivaliser les tanks qui sont vraiment full régène et tout. On peut même les souffler vite. Si on a un bon gameplay, on peut même les souffler vite. Donc voilà, je voulais présenter ce petit tank, ce tank Titan, voilà, qui va servir un peu dans le monde ouvert, un petit peu en DZ, mais c'est pas, y a beaucoup mieux quand même en DZ comme petit tanky. Je vais vous en présenter un deuxième tout de suite. Alors voilà, le deuxième, il est plutôt constitué comme ça, du Gila, du Golan, et puis la nouvelle marque de Seijir. Celui-là est pas mal du tout pour la DZ, il a un petit peu plus que 100 000 de régène, mais son point fort, c'est qu'il a 2 millions 3 d'armure et 1 million de santé, tout en pouvant conserver 100 000 de régène. C'est plutôt pas mal. Hein. Parce qu'en ce moment, on voit les mecs en DZ, ils tournent avec des full régène, enfin des full, non, pas si full que ça, mais ils tournent avec des régènes entre 120 000 et 130 000, alors qu'on peut faire plus. Bon bref, on reparlera de ça plus tard et je vous ferai une autre vidéo là-dessus, hein, full régène. Donc celui-là est très très bien, parce que 2 millions 3, 1 million et 100 000 de régène, je joue toujours en forceur Famas Régulus. Voilà, donc voilà deux modèles de tank, vraiment très bien. Voilà, je savais pas trop faire quoi comme vidéo, donc je vous ai fait ce petit truc là. J'espère que ça vous aidera, ça sera utile à ceux qui débutent le jeu. J'ai vu qu'en DZ il y avait beaucoup beaucoup de novices, donc si voilà un petit stuff. Allez, je vous fais la bise, ciao bye, gardez la pêche.